Bon, maintenant, allons-y avec Jirachi maintenant. Faites un jeu avec Jirachi. Attention, vous ne pouvez tenter votre chance qu'une fois par jour. Ne manquez pas cette opportunité en or. Ça dure 4 jours. OK. C'est sûr que je ne manquerai pas cette opportunité-là. OK. Voilà avec ces Pokémon-là. Désolé, mais je vais faire puissance. Regardez, pas, retard d'entrave et petit guidou. Terminé. Cinquante et un pour cent. Ok, c'est bon. Ah, pour eux d'utiliser la Great Ball. À la Super Bowl 202 200 ça prend une victoire méga puissance plus remplit encore plus la méga jauge des Pokémon du même type qui veut dire à acier. Et voilà, et c'est terminé pour Jirachi, il est déjà capturé à 50% de la jauge. Maintenant, allons voir Hippodocus. Oups, j'ai oublié de faire l'automatique. Voir quel Pokémon qui pourrait être utile. Je peux utiliser ça, ça, ça. Donc, il alterne tout le temps. N'oubliez pas que j'ai 2 vies bonus, je peux les utiliser n'importe quand. Oui, il est gelé. Donc ça, il faut en profiter pour faire le plus de combos que possible. Bon, pour ici, je vais faire descendre ça, comme ça. Le totang, méga totang est activé.
Bon, il y a ça, il est fini. Sauf que... J'ai hâte de voir le pourcentage de la jauge de capture, sans coût restant. Au 65. C'est sûr que je le lis avec quelque part. Qui? Capturé. Pas eu besoin de la Super Bowl, yes. Great Bowl en anglais. La première victoire, c'est 100 pour le niveau normal. Augmente les dégâts en cas de danger. Allons voir la suite. Oh, c'est Weavile. Dit Morgan. Ah non, pas ça. Bon, voyons voir nos options. Bon, où est-ce qu'on pourrait bien faire cocher ça? Si je mets ça là, ça va descendre. Bon, ça c'est pas fait. Ah, il me remet ça. $990. Ça aide beaucoup. Alors, on va voir sa jauge de capture, 8%. Bon, 3% pour chaque coup restant. C'est pas énorme. Ah. Oh, là, ça a augmenté de. La jauge de capture a augmenté de 40%. Ok, je sais pas si ça va réussir, mais il faut tenter sa chance. À ce moment-là, quand il tombe en épuisement. Et voilà, c'est réussi. Ça, c'est fun quand il retarde les attaques de l'ennemi, ça peut être très avantageux. Le prochain, c'est qui?
Ah, Seagrass. Bon. Ça va être tout pour le moment. On se reverra peut-être plus tard pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée.